donne-moi ce fusil. Alfred! J'ai tué mon père. Dans 5 minutes, il y aura des flics partout ici. Il faut se tirer tout de suite et il faut la mettre à l'abri, ok? Je suis dangereuse, il faut m'enfermer. Elle est persuadée d'être coupable. Elle est prête à avouer n'importe quoi. Si Alfred s'en sort pas, elle va se retrouver en prison. Putain de l'âtre, police judiciaire. C'est moi que vous cherchez. Qu'est-ce que c'est que ça? Tes bagages, tu quittes la maison, Philippe. Non. Je crois que j'ai pas envie de partir avec toi. Nous, ça change rien, on reste des frangins. À demi. Est-ce que vous êtes seul dans la pièce? Il avait besoin de nous dire quelque chose d'important, il avait l'air assez nerveux et... Attendez, oh! Kervadec a été intercepté par les flics du Panama avant qu'on puisse intervenir. Trouve une solution! Si jamais Alfred et Hermione ne s'en sortent pas, je ferai tout pour te pourrir la vie jusqu'à ta mort. Il faut que je le voie. Ce n'est pas possible pour le moment. Il doit se reposer, dormir un peu. Mais il est sorti du coma, ou non? Il a ouvert les yeux cette nuit, en effet. Mais il n'est pas encore tout à fait conscient. On ne peut pas parler. C'est un écume. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les séquelles éventuelles, mais il semblerait qu'il comprenne ce qu'on lui dit. Son état évolue constamment, il peut très vite s'améliorer. Je dois vous laisser. Courage. T'as pas faim? Le chemin quelque chose? Non. T'as l'air d'une fille qui a besoin de réconforter. Je me trompe? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais même pas qui je suis. Jusqu'à preuve du contraire, tu t'appelles Hermione. Hermione. La fille du larbin de ton père est de la bonne ou la sainte faille qui vient tirer sur son père? Attends, tu peux répéter s'il te plaît là? Je suis qui? Madame. Ethan Cyprien. Ça te va? Tu te fous de moi là? Non, non, là je suis très sérieux là. Tu veux jouer ta femme? Ouais. Bah, je te demande pas de donner une réponse tout de suite. Prends ton temps pour réfléchir. Tu vas finir par l'user? Ça, c'est sûr. Dans tous les cas, hein, c'est pas les clients qui vont me l'user, mon bar. Personne en ce moment, c'est dingue, ça. Il a besoin d'autre chose que d'un petit peu de torchon, tout cas. Mais non, mais il est très bien comme ça. Un petit effort de déco, ça lui ferait pas de mal. Hey, le problème, chérie, c'est que, tu vois, avant de penser à tout ça, la déco, faudrait déjà que j'arrive à payer mes fournisseurs. Et pour ça, j'ai besoin de clients. Mais c'est pas compliqué de faire venir les gens, faut juste leur donner envie. T'as totalement raison. Je sais pas comment je ferais, hein, sans toi. Et ça, tu penses que ça la ramènerait, ta clientèle? Ah... Ouais. Parce que le marketing, c'est important dans le petit commerce. Mm-hmm. Puis ton client, il a vraiment besoin d'avoir envie de venir ici. T'as répété toute la nuit ou t'improvises, là? Non, c'est juste des idées que j'ai eues comme ça. Des idées? Et si j'étais toi, j'en profiterais. Tu peux pas bosser avec moi? Quoi, tu veux que je fasse des striptease? Non. Je suis pas sûr d'avoir envie de partager. Alors, tu veux me faire faire quoi? Je veux que tu bosses comme ça, là, derrière, avec moi, au bar, et qu'on s'associe. Sérieux? Parce que je sais pas, travailler en couple, ça peut tout foutre en l'air. Bon, si t'insistes, je commence quand? Là? Je vais rester ici et Hermione et Marc vivent à Paris, donc si je veux apprendre à connaître ma famille, j'ai pas vraiment le choix. Ouais, je comprends. Et tu comptes travailler ou reprendre tes études? Je sais pas. En fait, j'aimerais surtout pas renoncer à l'idée de bosser dans l'humanitaire, vu que c'est la seule chose qui m'intéresse.
Il y a plusieurs formations possibles en action humanitaire. Le problème, c'est que ce sont des études longues. T'en as au moins pour 4, 5, voire 6 ans, des fois. Ah ouais, non, non, de toute façon, j'ai pas les moyens de me payer des études. Non, idéalement, il faudrait que je me mette en tant que bénévole dans une association pour me faire un peu d'expérience. Lorraine, je te rappelle juste que le principe du bénévolat, c'est que t'es pas payé. Ouais, je sais. Ou alors, je laisse tomber l'humanitaire et je travaille comme serveuse chez Chris. Est-ce que tu as entendu parler de la fondation Carielis? Ouais. Enfin, je sais juste que c'est Alexia qui s'en occupe. Plus précisément, la fondation finance des projets sur l'environnement et le développement durable. Ils offrent chaque année une bourse aux meilleurs candidats. T'es en train de me proposer de travailler chez Carielis? Certainement pas. Je te propose juste de leur présenter un projet humanitaire et leur soutirer l'argent dont tu aurais besoin pour le financer. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, il va falloir que tu bétonnes ton dossier. Mais si ça marche, je serais ravi d'avoir une alliée de choix avec moi chez Carielis. Pourquoi t'as besoin d'une alliée? Pour montrer à Cipriani qu'on peut faire du business sans forcément pourrir la planète. T'es en train de faire la même bêtise avec Chris que moi avec ton père. Tu vas devenir dépendante, et le jour où il y aura un problème, regarde-moi. Mais ça n'a rien à voir. Je suis en train de t'expliquer que si tout se passe comme je l'ai imaginé avec Chris, j'aurai 50% des parts du café et je ne serai pas dépendante. Bon, c'est pire. C'est carrément du gâchis, alors. Bac plus 4 pour faire serveuse, excuse-moi. Non, mais tu comprends rien, c'est pas possible. J'ai des projets pour ce restaurant, j'ai envie d'en faire un lieu culturel et événementiel. Non, attends, excuse-moi, c'est un café, d'accord? C'est pas la pyramide du Louvre. Je croyais qu'il avait des problèmes avec son bar. Mais tu m'écoutes ou pas quand je te parle? Tu pourrais pas me soutenir au moins pour une fois, non? Je m'excuse, d'accord? C'est parce que je suis inquiète. Ah bah arrête de t'inquiéter parce que je suis majeure et je me débrouille très bien. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Je veux voir mon père. Mais non! Je suis désolée, j'ai des consignes. Pas avant demain. Arrête de jouer au docteur Carter. Bon, combien tu veux? Mais je veux rien! Écoute, Hermione, rentre chez toi et je t'appelle, je te le promets, d'accord? Je te laisse. Bonjour, Hermione. Hermione, je n'ai jamais voulu savoir d'où tu venais. Mais à partir du moment où je t'ai prise dans mes bras, je suis devenue ta mère. Je t'ai tenue contre moi et tu étais ma fille. Je n'ai peut-être pas été une mère parfaite, mais je t'ai toujours aimée comme ma propre fille. Tu m'as menti. Tu m'as volée. Tu as ruiné ma vie. Tu as décidé de me tutoyer. Tu n'es pas ma mère. J'ai pas à t'obéir ni à te respecter. Je t'ai élevée pendant 22 ans. Non. Tu m'as pas élevée. Tu as cherché à faire de moi ton clone. Une petite guérin qu'il fallait absolument transformer en sainfaille. Mais tu seras toujours une sainfaille, Hermione, que tu le veuilles ou non. Non. Je suis plus rien. À cause de toi et tes mensonges. Bonjour, madame. Oh là là. Mamory m'a tellement parlé de vous que j'ai l'impression que je vous connais. Moi aussi, il me parlait de vous. Asseyez-vous. Je suis arrivé à Paris hier soir. J'ai été appelé aux côtés de monsieur Cipriani pour remplacer votre mari. Ah. Puis c'est sa mallette? Puis je crois qu'elle avait disparu en même temps que lui. Votre mari me l'a confié juste avant qu'il ne soit extradé. Mamory ne voulait pas qu'elle atterrisse dans de mauvaises mains. Je tenais donc à vous la remettre en personne. Si j'avais cru qu'un jour cette mallette me ferait autant d'effet. Madame Kervadec, je tenais à vous dire que je ne crois pas un mot des accusations formulées contre votre mari. Je connais Amaury. Il n'aurait jamais donné l'ordre de dégazer en pleine mer à un de nos navires. Merci. Merci, monsieur Planchard. Au revoir. Je peux m'asseoir?
Écoute, Hermione. J'imagine ce que tu peux ressentir. Je voulais juste te dire que si t'avais T'imagines. C'est marrant, ça. Alors, pendant 20 ans, tout le monde ferme sa gueule, et là, d'un coup, tout le monde veut me parler. Ouais. La ressemblance, c'est pas frappante, hein. Tu tiens plus de toi, maman Odile? Ah ben, d'elle et moi aussi, j'imagine. Heureusement que j'ai eu d'autres repères. D'autres valeurs. En tout cas, si un jour tu veux en savoir plus sur ta famille, tu sais que je suis... Je suis pas aussi curieuse que ma sœur. Je préfère ne rien savoir. On va faire comme si on se connaissait pas. D'accord, monsieur Guérin? Merci. Parce que les branchements, j'y connais rien, alors. J'ai toujours peur de disjoncter. De faire disjoncter. Merci. Ce message s'adresse à ma femme, Valérie Kervadec. C'est moi. Val, je sais pas du tout dans combien de temps on va se revoir. J'ai des ennuis. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi. Si je pouvais te serrer là maintenant dans mes bras et sentir ton odeur. Je sais bien que c'est impossible. Je sais, j'ai toujours été trop loin de vous. À cause de ce foutu boulot à la con. J'ai même pas vu mes enfants grandir. Si tu peux, tu dis aux enfants que je les aime plus que tout. Tu te souviens de la fois où tu m'avais cassé le bras en lâchant l'échelle? Je l'ai pas fait exprès. Parfois, j'ai un peu mal à l'articulation. À chaque fois, je revois ton visage au-dessus du mien, complètement affolé. T'arrêtais pas de répéter. Je l'ai pas fait exprès. Je suis la femme de ta vie. Puis après, tu m'as dit, ne meurs pas. Je suis la femme de ta vie. Tu es la femme de ma vie. Je t'aime. Arrête de pleurer maintenant. Alors, pas trop dur de mettre sa petite copine au boulot? Désolé. C'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de perdre mon boulot, mon café. Monsieur, là, c'est un huissier de justice. Il est en train de faire l'inventaire de tout ce qu'il va pouvoir saisir. Monsieur avait oublié de me dire qu'il était endetté jusqu'au cou. J'ai voulu t'en parler, mais t'as pas écouté. Non, tu m'avais dit que c'était pas facile. Tu m'avais pas dit qu'il y avait 40 000 euros à rembourser. J'ai dépassé la date limite de paiement des fournisseurs. Et le juge, il a tranché, voilà. Écoute, il y a forcément une solution. Tiens, déjà, si tu pouvais payer la moitié de tes dettes avant 3 jours, c'est la loi, ils te laisseront un répit. 20 000 euros, mais tu crois quoi? J'ai des lingots d'or planqués quelque part? Bon, vous avez 3 jours pour régler. Pour braquer une banque et vous filer la moitié, ouais, on sait. Bonne soirée, monsieur, dame. Bonne soirée. Mon amour, est-ce que tu m'entends? Serre-moi la main si tu m'entends. Arrête de lui parler comme un débile. Bonjour, mesdames. Bonjour. Salut. Excusez-moi, je dois lui administrer des soins. Il n'a aucune réaction, c'est normal? On dirait qu'il n'entend même pas. Si, il vous entend. C'est juste qu'il a besoin d'un peu de temps pour récupérer toutes ses facultés. C'est bon, j'ai fini, tu peux ouvrir les yeux.
Pourquoi elle est partie, Alexia? Ben, je crois qu'elle non plus supporte pas trop les piqûres. Pourtant, quand c'est du botox, elle supporte très bien. Bon, je te laisse. Tu le bouscules pas trop quand même. Ça va, il est pas en sucre non plus. Ce que c'est que ça? Bah, une clé. Oui, d'accord, merci, mais elle sert à ouvrir quoi? Mais comment veux-tu que je le sache? Ça m'énerve. Si tu savais comme ça m'énerve. Chérie, tu perds tes clés tous les 15 jours, c'est la première fois que ça t'énerve. Enfin, elle doit bien ouvrir quelque chose, cette clé, quand même. Mais quelle importance qu'elle ouvre? Elle doit ouvrir le cadenas d'une vieille valise. Tu l'as trouvée où? Dans les affaires d'Amaury. C'est une clé de coffre. Quoi? C'est une clé qui sert à ouvrir un coffre à la banque. Ah bon? Je le sais parce qu'on a eu le même problème à la mort de ma grand-mère. Elle a laissé une clé comme ça et c'était pour un coffre. On a tous cru qu'elle y planquait ses bijoux, mais non, elle y mettait des boîtes de sardines à l'huile. Oh! Amaury t'en avait parlé? Non, jamais. Tu devrais aller jeter un œil. J'espère qu'il n'y aura pas que des boîtes de conserve à l'intérieur. Je me présente au concours de la Fondation Carielis. Ils offrent une bourse pour un projet de protection de l'environnement. Tu vois ça? Mais c'est ce qui se passe au Bangladesh. Je suis sûre que je peux faire quelque chose pour améliorer leurs conditions de travail. Ah ouais? Ces gosses, ils sont payés 2 euros par jour pour démonter des cargos en fin de vie. Ils font ça en tongs et en short. Et qu'est-ce qu'il y a dans les bateaux? Bah forcément, il y a de l'amiante, il y a des déchets de carburant, il y a des produits toxiques. C'est Tchernobyl, quoi. Il y a des blessés et des morts tous les jours et tout le monde s'en fout. Alors que toi, bien sûr, tu peux faire quelque chose. Non, mais il faut que les armateurs imposent à leur chantier un minimum de règles d'hygiène et de sécurité dans le démantèlement de leurs bateaux. Ouais, ouais, ouais. Rappelle-moi l'activité qu'exerce le seigneur de ces lieux. Armateur, je sais. Et ton projet, ça va leur coûter de l'argent. Ça va pas en rapporter. Tu crois que c'est pas une bonne idée? Bah, moi, dis ça. Si, l'idée est excellente. Mais il me semble qu'à ton âge, on pourrait avoir envie d'autre chose. S'amuser, tomber amoureuse, profiter de la vie, quoi. Ouais, pendant qu'il y a des gosses qui s'épuisent et qui meurent au boulot. Mais c'est pas comme s'ils habitaient sous tes fenêtres. Ils sont au Bangladesh, à 10 000 km d'ici. Oui, et alors? Et alors? Et alors rien. T'as raison. Et c'est bien ça qui m'ennuie. Fais-moi l'autre. Franchement, je comprends pas. Pourquoi t'as pas pris un conseiller fiscal ou même un comptable? Mais là, franchement, 6 mois de retard d'URSSAF, c'est juste pas possible. Bah, tu vois, je sais pas quoi te dire. J'ai pas vu le temps passer, je sais pas, j'ai pensé que ça irait, et puis ça va pas du tout, quoi. Franchement, si je te connaissais pas, je penserais presque que tu l'as fait exprès. Fait exprès, ouais. Hein? Foutre ma vie en l'air exprès, quoi. Tu vois, ce bar, là, c'est toute ma famille. Les murs, là, je les ai peints avec mon grand-père. Le bar, là, regarde le bar, je l'ai posé avec mon père. Faut que je trouve une solution. Ça va? Je suis venue voir parce que j'ai reçu la visite d'un ami de ton père. Et alors? Et alors? Et bien ensuite, je suis allée à la banque. Non mais c'est bon, là, si c'est encore pour me parler de tes problèmes de fric, on a ce qu'il faut ici. Ouais, parce que vous aussi, vous avez des problèmes d'argent? Ouais. On n'a pas que des problèmes de shopping. T'as Chris qui va perdre son café, donc j'ai pas du tout envie d'entendre que t'as pas pu t'acheter ta 300e paire de chaussures. Ça va. C'est si important ce café pour toi? Non, c'est Chris qui est important pour moi. Oui. Bon. Alors je te disais donc que je suis allée à la banque ce matin et que ton père nous a laissé de l'argent dans un coffre. Et je me disais que ce serait une bonne idée d'en investir une partie. Notamment dans ce café, par exemple. T'es sérieuse? Oui. C'est vrai? Oui. Merci. Et si j'étais vous, je commencerais par refaire la déco. Merci.
Léandre. De Chantal Roche. Je l'ai acheté pour toi. Mon Dieu, c'est excitant, un homme qui dit rien. Je vous connais. Vous parlez? Jade, je suis Jade. On se connaît? Oui, 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 je suis votre infirmière et aussi la meilleure amie de votre fille. Ma fille? Mais quelle fille?